Hey, salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite avant tout une excellente année 2019 puisque c'est la première vidéo de l'année 2019. Entourez-vous de personnes bienveillantes, faites le bien autour de vous. Je vous fais d'énormes bisous, mes petites merguez. On n'est pas là pour se lancer des fleurs, voilà. Ça, c'était la partie gentillesse. Maintenant, les mecs, on attaque dans le dur. Figurez-vous que sur PES 2019 mobile, il y a deux légendes à aller chercher gratuitement. C'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Non, je rigole, les mecs. Je rigole. Grâce à Lulu, c'est donné à tout le monde. Regardez avec quelle équipe j'ai réussi. Me dites pas, j'ai une équipe énorme et tout. 1500 de puissance d'équipe. J'ai même pas 99 d'esprit d'équipe. J'ai des joueurs argent. Donc, les mecs, aucune excuse. Aucune excuse. T'as bien entendu. Je vais déjà faire voir où se trouvent ces défis. Puisqu'en fait, vous allez avoir deux matchs à faire contre l'ordinateur pour avoir une légende boule or et une légende boule noire, les amis. Ça se trouve ici, légende challenge. Le premier match, ça va être contre Liverpool en mode superstar. Et le deuxième match, ça va être contre le Barça en mode légende. Vous inquiétez pas, les mecs. Grâce à ma technique, on va réussir tous ensemble facilement. On va voir ça juste après. N'oubliez pas le gros like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis désolé de répéter ça, mais c'est très important pour l'essor de la chaîne. Et si vous me soutenez, je sais que vous allez le faire, les amis. On va donc déjà ouvrir les deux légendes qu'on a récupérées, voir un petit peu la chatte à Dédé. Et ensuite, je vous expliquerai ma tactique, ma technique pour réussir ces matchs compliqués. Alors, on va pouvoir récupérer Michael Owen, très bon. Zamorano, Samuel, Bebeto, Fowler. Franchement, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal du tout. Et on a même 2,8% d'avoir une boule noire. Que demande le peuple? Merci Konami. Franchement, là, tu régales. Je vais pas te mentir. Allez, on va l'ouvrir celle-là. On va l'ouvrir. Un petit Owen, j'avoue, ça me ferait bien kiffer. Hein. Un petit Owen. Allez, on appuie. Si on peut avoir une boule noire, on va pas cracher dessus. Alors, ce sera pas une boule noire, mais c'est pas grave. Allez, on va être content quand même, forcément. Oh, bim! Et bim! Et qui c'est qu'on a, les amis? Qui c'est qu'on a? La chatte à Dédé, elle est présente. Le Michael Owen, bienvenue, mon ami. La légende anglaise, légende de Liverpool notamment. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il est niveau 1, ce qui fait qu'il est que niveau 76. Mais voilà, niveau 1 sur 75. Donc il va monter, vous inquiétez pas les amis. On va maintenant faire la boule noire, on va voir qui est-ce qu'on peut récupérer les amis. Donc là c'est forcément une boule noire, un des 22, Maradona énorme, Zico. Zico il est pas sur PS4 d'ailleurs, il va peut-être arriver l'année prochaine. Ronaldinho, Kane, David Beckham 88, il y a quand même du lourd, hein. Il y a du très très lourd. Bah un petit Zico, tiens, allez un petit Zico ça ferait rêver, ça ferait kiffer. Bon là on va pas se faire suer, c'est boule noire forcément. Allez mets-nous un petit Zico, un petit Maradona, un petit truc. Oh Alessandro Del Piero, un de mes joueurs préférés que j'ai sur PS4, je savais même pas qu'il était dedans. Ça, ça fait plaisir les amis, yes, le Del Piero. Ah il fait kiffer, niveau 1 sur 57, il va monter également. Ah là, une équipe, les amis, de toute beauté, hein, de toute beauté. Aubameyang, Del Piero, Owen, oh là, j'en passe et des meilleurs. Bon, maintenant, les amis, on va passer à ce qui vous intéresse le plus, la tactique. On va donc affronter le Barça avec mon équipe 1544. Vous voyez, c'est pas truqué, contre le Barça en mode légende, puissance 2443. Alors là, on n'est pas là pour niaiser. Voilà mon équipe. Bon, moi j'ai mis 3 DC, 1 DD. Vous pouvez même mettre 4 DC. Vous verrez que ça va peut-être être un petit peu plus facile pour faire tourner. Le premier match, les amis, en mode superstar, et ben ça va être la même tactique. Ou alors, vous pouvez essayer d'essayer de marquer un but au début et puis après d'utiliser la même technique. Puisque en fait le premier match il est quand même un petit peu plus facile. Vous pouvez marquer un but. Là contre le Barça franchement on va pas faire genre. Moi je trouve c'est super compliqué. Alors il m'a fallu 3 essais les amis. Je suis franc avec vous. 3 essais. Ce qui se passe c'est dès que le Barça marque, relancez votre appli. Le match c'est impossible. Et donc la tactique ça va être ça. Regardez. À l'engagement vous allez passer le ballon à votre gardien. Et là vous allez attendre la mi-temps. Voilà c'est pas fun. Mais vous allez attendre la mi-temps. Tout simplement. On va accélérer jusqu'à la mi-temps. Et là, à la mi-temps, par contre, ça va être eux qui vont engager. Alors, quand c'est le Barça qui engage, là, bien sûr, bah, faut pas prendre de but. Hein, sinon, la tactique tombe à l'eau. Donc, la technique, quand vous êtes en défense, c'est de prendre un attaquant et de laisser votre défense défendre. Regardez, là, je suis avec Gay et j'essaye d'aller gêner. Et je ne prends pas de défenseur. Sinon, vous allez faire n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est super dur de défendre. Et voilà. Et une fois que vous avez le ballon, bah, c'est pareil.
Vous allez garder le ballon derrière et l'équipe, le Barça, ne va pas presser jusqu'à la 70e minute, les amis. Regardez, on va avancer, on va avancer. Vous voyez, 69e minute. Hop. Vous allez voir que à partir de la 70e minute, il va se mettre à presser. Là, la technique, elle va être très simple. Ça va être de ne pas perdre le ballon. On va faire tourner derrière et on va essayer de gagner du temps. Donc, on fait tourner derrière. On essaye de faire des passes assurées. Entraînez-vous. Les passes, c'est pas bien compliqué sur PS Mobile. Même si moi, je trouve que le jeu défendre, c'est super dur. Les passes, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. On essaye de faire tourner. Voilà, on n'hésite pas à repasser derrière, etc. Si on perd le ballon, même technique. On prend un attaquant. On essaye d'aller gêner. On ne se jette pas avec ses défenseurs. Puisque sinon, là, lui, eux, ils vont vous mettre des buts du turfu. Voilà, on n'hésite pas, on repasse sur le gardien, on gagne du temps. Et on va aller tout simplement jusqu'à la fin du match comme ça. Prolongation, même combat. On a l'engagement, on fait tourner au gardien, on essaye de faire tourner derrière, voilà, tout simplement. Le but c'est, vous avez compris maintenant, d'aller au pénalty. Puisqu'au pénalty, il y a quand même beaucoup plus de chances de gagner, même avec une équipe claquée, qu'en match, c'est... très, très, très compliqué. Essayez de le faire. Essayez de le faire. Alors, il y en a bien sûr. Je vous vois venir. Il y en a... Oh, mais c'est super facile. Moi, j'ai réussi. Oui, bah je sais. Sur PS4, il y en a qui m'ont dit ça. Tout le monde n'est pas bon, les amis. On n'est pas tous des pro-players, voilà. Moi, sur PS Mobile, je suis nul. Mais j'ai quand même réussi ces défis, les amis. Donc, première mi-temps de prolongation. Tranquille, voilà. Deuxième mi-temps. Là, c'est le Barça qui a l'engagement. Et bah, c'est pareil. Regardez, je garde Aubameyang et j'essaye d'aller... gêné tout simplement. Alors je vous dis pas que j'ai pas eu des petites frayeurs sur le match. Forcément, ça peut pas se passer à tous les coups. Surtout que le Barça, en mode légende, il vous fait une frappe à 25 mètres, c'est but. Hein. Là notamment j'ai eu peur, ça fait barre transversale, j'ai serré les fesses. Là j'ai contracté la nuque, un lendemain de fête, ça fait jamais de mal. On gagne du temps, on gagne du temps. Et puis au bout d'un moment, le match est fini. Et là on passe au pénalty les amis. Pénalty. Franchement, c'est pas bien dur. Il faut viser les lucarnes. Vous prenez votre doigt, vous faites le signe vers la lucarne, comme je viens de faire avec Muriel. Et là, même si le gardien part du bon côté, normalement, c'est but. Ensuite, pour les arrêter, pas trop de technique. Moi, j'essaye de toujours me jeter pied ouvert. Donc, vous voyez, la Dembélé, pied ouvert, ça va louper. J'essaye de toujours faire ça. Je me dis, il y a bien un moment où ça va passer. Et j'essaye de mettre les ballons tout le temps en lucarne. Un coup à gauche, un coup à droite, voilà. Alors là, c'est pas vraiment de la tactique. Ça dépend aussi de la chance. Quand vous en êtes à là, si vous perdez au pénalty, ça fout un peu la rage. Mais bon, on recommence. Je vous dis, au bout de trois fois, j'ai réussi. Mais première fois au pénalty... voilà, là vous voyez, je suis parti pied ouvert de Messi, je l'ai arrêté. Voilà, le Aubameyang qui met son penalty, tout se passe bien. Suarez, c'est pareil, pied ouvert. Et là, c'est arrêté. Et là, je sais que j'ai gagné le match, hein, puisque il suffit que je mette le dernier pour gagner. Nkoukou qui va se présenter avec sa belle coupe de palmier. Nkoukou qui s'élance, voilà, pleine lucarne. Et le match est gagné, les amis, de légende. Dans la poche, Owen, ça fait plaisir. Del Piero, ça fait plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, mes merguez. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu, vous, comme légende. Bisous et bonne journée, mes merguez. Ciao!